Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalisca dans notre série intitulée... Faut que je légitime tout. Dans notre série intitulée, je vais y arriver, La Dernière Croisade. On venait de terminer notre guerre, il me semble, contre l'Ottoman. Y a-t-il une plus-value? Améliorer ça, je ne sais pas, et je ne pense pas. Est-ce qu'on pourrait choper... Le Bengale, ça c'est à nous. Mais on l'améliorait déjà, je crois. Non, mais on peut pas, je crois. Parce que... Faut quelle culture? La culture aryenne? Ouh là là, attention, j'ai dit le mot aryen. Par nom alphabétique, s'il vous plaît. Ah bah c'est ballon. Bah oui, normal, normal. Normal, normal. Bon, bah, c'est pas grave. Écoutez. On va faire ça pour une petite mission. Parce que ça mange pas de pain. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? État pontificaux, plus d'influence sur le pape. Allez, vendu. Pape, t'es là. T'es là. Mince, mais qu'est-ce que je fais? Améliorer les relations. Ok. Bon, récupérons les réserves militaires, même si ça pose pas trop de problèmes. Construisons. Bon, allez, hein, comme d'hab. Hein. Limite terrestre. Voilà. Voilà. Non, on peut pas. Ah, ça, c'est dommage. Donc, on va construire tout par là. Je vais continuer le temps, hein, parce que là, on n'a rien de particulier à faire, hormis attendre. Merde. Oups, voilà. Ici aussi. Bon, ici on va le faire tout de suite, ça sera fait. Bon, bon, et bon. Ici tout est bon, donc on va s'occuper de là maintenant. C'est vrai que j'ai l'habitude de... J'avais dit que je mettais pas pause, c'est une habitude. Avec le Bengale a expiré. Alors ça par contre, on va s'en occuper prestement. On a quand même 20 marchands, hein. c'est pas anodin, hein. Clairement pas. Continuons de construire comme d'habitude. Il reste où? Ah bah oui, classique. C'est vrai qu'on avait dit qu'on s'occuperait de ce truc là-bas. Mais bon. On va voir, on va voir, on va voir. J'avoue que les fins de partie, moi, c'est vraiment pas ce qui me passionne le plus. Hein. Faire du coloriage sur la carte... Voilà, plus qu'un, courage, on en voit bientôt la fin. Hop, 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 hop. Yes, on a terminé. Maintenant, on va s'occuper des carrefours commerciaux. Alors, oui, on va devoir améliorer ça. Un port mondial, nickel. Va pour un nouveau port mondial. Va pour l'amélioration de celui-ci. Ça, c'est pas encore à nous. Ça, c'est à nous, donc amélioration. Ah, on peut pas, parce qu'il faut que ce soit... Boum, maintenant c'est bon. Ah, ça, on peut pas encore l'améliorer, dommage. Ah, ça ici, ah, on peut pas. C'est pas un carrefour, dommage. C'est un petit port mondial, vas-y, vendu.
Je pense qu'on va se mettre bien. Niveau 2, niveau 2, niveau 2, niveau 2, niveau 3. C'est à nous, ça? Oui, bah maintenant c'est amélioré. Vas-y. C'est pas comme si on n'avait pas l'argent, encore une fois. Oui, ici, erreur de ma part. Ah, ça on peut pas encore l'améliorer. Singapour, qui est notre capitale, c'est quand même absurde de ne pas l'améliorer au même niveau max. Ok, niveau 2, niveau 2. Je crois qu'on est bloqué hein, au bout d'un moment au niveau des limites de carrefours commerciaux. Mais je pense que là, on a fait à peu près le tour. Ah non, ici. Hop. Ici, je crois qu'il y a que du vent. Ouais, ici, c'est nul. Ah, peut-être là. Ouais, bon. Ouais. Waouh! Ah, il y a de l'argent qui part ici quand même. Hein. Ah là, c'est dommage hein, ce qu'on perd. Si on gagne combien? 50. Ici, il y a tout qui est tiré par là, il y a tout qui est retiré par là. Ah, ici, c'est dommage, on perd de l'argent aussi. Je pense que ici collecter du gars qui est à Shanggu, 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 Shanggu. Voilà, je pense qu'on gagnera ici. On a combien? Ouais, on gagne. On gagne même plus, mais on a amélioré les trucs. Mais là, est-ce qu'on va gagner un peu plus? On va attendre la fin du mois. On gagne combien ici? 35, ouais, mais bon, ça permet de que tout ne parte pas. Ici, en fait, non, ici c'est utile. Là, celui-ci, pour moi, il n'est pas spécialement utile. Parce que là où que ça aille, on s'en tape. Autant prendre ici, faire une collecte de revenus et prendre le mec qui est en quoi? C'est Gili. Voilà. Et aussi faire ça au passage. Alors, de ma part, de ne pas l'avoir fait avant. On va tout rajouter dans les compagnies commerciales si c'est pas encore fait. Ok. Et pourquoi j'ai pas le. Oh. Ouais, et pourquoi je suis un abruti? Ah ouais, que j'étais un peu bourrin sur ce coup-là. Hein. Voilà, go. On peut prendre un mec qui va nous aider à faire du modif d'impôt, ouais. Bon, sûrement un modif d'impôt, c'est pas grave. Parfait. Non, Shanghai, tu passes pas, je m'en tape. Hop. Tiens, hop. Notre limite terrestre est de combien actuellement? Bon, on la dépasse. On doit avoir des mercs, hein, non, je pense. Hein. Ah vache, j'ai jamais eu autant d'armées. Ok. Frontline de 40, tu vas par là. Frontline de 40, tu vas par là. Et toi, tu restes comme ça. Notre limite terrestre, du coup, on peut l'améliorer ou pas? On pourrait avec les. Non, pas avec ça. Mais avec ça. Allez, on va en construire partout. C'est pas comme si on n'avait pas l'argent. Voilà, c'est fait. Ensuite, du commerce. Oh oui. Voilà. De la production. Oui. Oui, avec tout ce qu'il y a à 10, tu me le fais. Gouvernement, ça peut être utile. Vas-y. Ça avait baissé l'autonomie de base. Ensuite, la production, on a vu. Les impôts. Vas-y, go. Fais tout ce qu'il y a à 10. Ensuite, l'armée. Ouais, pour ce que c'est nul. Manufacture. Oh, celle-ci, elle est pas mal.
les forts, on va peut-être les améliorer, hein. Ils sont déjà à fond. Si, il y a peut-être ceux-là à améliorer. Bon, vas-y, je m'en tape. Hop. Ok. Ok. Et on va peut-être améliorer les bateaux aussi. Parce qu'on a plein de bateaux qui font plus rien. Genre, alors celui-ci, tu vas aller avec la flotte principale qui est... Et là-bas, vas-y, on s'en tape. Non, la flotte principale, je crois qu'elle est en... Je sais pas où elle est. Je sais pas où est la flotte. Allez, là-bas. Et bah, tu vas rejoindre la flotte principale ici. Et toi, tu vas aller là-bas. Toi, tu vas aller protéger le commerce à... Malacca, Alep. Très intéressant. Alexandrie, nul. Golfe d'Aden. Ok, ok. Je regarde là où c'est... Ouh. Gujarat. Gujarat. Go. Parfait. On gagne combien, Gujarat? Parce que ça m'impressionne, là. Ah ouais, parce qu'ici, on collecte comme des sagouins. Ouais, donc en fait, ce qui part d'ici, on arrive quand même à le récupérer, mais pas assez à mon goût. Hein. Après, on pourrait améliorer le carrefour là. Même peut-être faire un port mondial, mais on peut pas. L'Ottoman, il a combien ici? Il a beaucoup. Il faudrait presque collecter à Gujarat. Je pense qu'on va collecter. Plutôt. Parce que plus on collectera là, plus on va voir ce que ça va nous faire changer. 2000. On perd. Mais l'Ottoman en a moins potentiellement. Légitimons. En termes de machin, on ne pourrait pas prendre un truc. Agitation dans le pays. La puissance commerciale de la marine, elle est assez séduisante. On a terminé toutes nos missions. Non, surpasser l'Occident, il faut avoir les doctrines navales. Ouais, mais on n'y est pas encore. Hein. Ce qui ne saurait tarder, quand même. Ce qui ne saurait tarder. Est-ce qu'on pourrait construire des choses? Bah, du commerce, mais c'est pas spécialement utile. Après, on peut l'améliorer dans nos dépendances. Hein, comme on fait du transfert à outrance. Voilà. Voilà, c'est fait. Les impôts chez nos copains. Vas-y. La marine chez nos copains, ils en ont quasiment pas. Les manufactures chez nos copains? Ouais. Hop. L'armée chez nos copains? Oui. Les impôts chez nos copains? Je crois qu'on avait déjà vu. Tiens, tu me fais le point 10 là à la rigueur. La production chez nos copains? Oh oui. Armée limite terrestre chez nos copains? Bon, vas-y. On va le faire à fond. Bon, ça c'est nul par contre. Bon, c'est pas grave. Manufacture, rempart, armée, marine, on s'en fout. Commerce, production, on avait vu déjà. Gouvernement chez nos copains. Ouais, mais c'est chez des mecs qu'on s'en fout un peu. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Ici, c'est bête qu'on fasse rien parce que c'est de l'argent qui nous... Ouais, il faudrait qu'on réoptimise le commerce quand même. Est-ce que c'est vraiment si utile de collecter ici? On va faire le test. Tu vas me collecter le revenu, celui qui est à Malacca. Et on va comparer. 1959 versus... non, perdons 10 en prestige. On va attendre que ça se rééquilibre. Ouais, on gagne moins, mais on gagne un marchand. Donc je pense qu'on est gagnant. Compétence 3, discipline, 50% moins cher. Oui, on prend. Perdons beaucoup d'argent. Ouais, fait ça. Et on a gagné un marchand. Donc au final, ce marchand-là, on peut le réutiliser à bon escient. Bah, on va le mettre à Malacca au final. Hein. Je pense qu'à Malacca, ça a du sens. Parce qu'en termes de commerce, alors optimisons un peu la chose. Le but, c'est que notre capitale commerciale soit la plus juteuse possible. Le problème ici, c'est que il y en a beaucoup. Il y a la France, on perd 36 ici et on perd 50 ici. À cause de quoi? À cause de quoi? C'est qui nous... Ouais.
Notre commerce n'est pas assez puissant dans cette zone. Après, on pourrait collecter les revenus. Je pense que si on les collecte ici, ça fait sens. 1000. On va attendre que le marchand arrive. Il est là. Ouais, non, ça change pas grand-chose au final. Hein. Mis ton père. Ici, on fait quoi? Tu collectes. Ouais, mais tu collectes pas grand-chose. Ici. Limite, celui-ci ne sert à rien. Parce que où que ça aille, c'est dans un nœud convenat. Donc, autant prendre, collecter le revenu du mec qui est à Décane. Décane, 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 Décane. Décane. Voilà, ça déjà c'est fait. Ensuite, ici le Caire, est-ce que c'est utile? Ouais, quand même, 70. Ici, 46, c'est très bien. Là, on s'en tape. Là, ici. Ah bah si, c'est utile ici quand même. On gagne 130. Ici, on gagne 42. Là, 53. On va afficher les marchands. Alors, c'est un truc que je fais pas souvent, mais je vais le faire là pour le coup. Marchand, marchand, marchand. J'adore ce mode. Marchand. Alors, là où on gagne pas. Ok. Va falloir retirer l'armée. Va falloir retirer quasiment tout. Retire-moi les missionnaires, légitimation. Voilà. 43. Ah, Australie, ça sert à que dalle. Ok, Australie, ça sert à que dalle. On est d'accord. Là, ça va où l'argent? Ça va vers le sud, c'est très bien. Ici, je pense qu'on gagne de l'argent. Là, on fait rien. Zanzibar, il y a de l'argent quand même, mais qu'on peut pas avoir, hélas. Attends. Il n'y a rien ici ou il n'est pas encore arrivé le marchand? Là, je pense qu'on va gagner. Ouh, samouraï indiscipliné. Ah, ça, c'est par contre, c'est dommage. Faisons ça. Voilà, là, on gagne beaucoup plus. Et on gagne un autre marchand en plus. Si on n'a pas beaucoup, il doit avoir une protection du commerce assez intéressant. Là, ici, on pourrait collecter. Voilà. Ok, on a des troupes qui sont Black Flag. On avait vu. Ouais, on a beaucoup de troupes Black Flag. Toi, tu vas aller là-bas. Toi, tu vas revenir ici. Toi, tu vas revenir là. Toi, ici, t'as l'armée. Parfait. On a des. Oh, on a des navires améliorés. Parfait. Donc, toi, tu vas aller protéger le commerce à Moluques. Très intéressant. Philippines. Ouais, Hangzhou. Ouf. Il y a des trucs quand même. Bengale, Venise, Raguse, ouais, Gili, Siam, et Malacca. On gagnerait pas tant que ça hein, pour Malacca. Hein. Golfe d'Aden. Comment ouais, Pékin, on perdrait. Birmanie. Siam. Canton. Va à Canton. Et tu te replies au pas en cas de pépin, ça va sans dire. Oui, on va s'en occuper des bourris, machin truc là, quand ça me saoulait. Voilà. Pas encore colonisé ici? Ah ouais. Bon bah go. Hein. C'est un colonisateur, autant en profiter. Hein. Séparatiste ottoman Alexandrie. Ah oui, quand même. Voilà, ça c'est fait. Une fois que le Caire sera amélioré, on pourra avoir ça, ce qui serait quand même intéressant. Coût des doctrines, salaire déconseillé et loyauté d'éclair. C'est vrai qu'on pourrait améliorer les infrastructures aussi. Bon. On va calmer le jeu déjà, on va terminer de tout légitimer. Voilà. Voilà, c'est vrai que. Sérieusement? Un truc ici? Alors, colonie, je m'en tape. Diplomate, je les garde. Les marchands, je les vire du coup. Je remets les armées. Ah ouais, c'est vrai. Ils sont alliés aux Mogols. Oh là là, galère, putain. C'est vrai. Et Sunda, c'est où Sunda? C'est eux. Mais on est en trêve avec eux. Et ils sont alliés au Bengale. Donc, si on déclare la guerre au Bengale,
Malaka, Sunda, mais comme on est en trêve avec eux, on est ni, on est voilà. Et la trêve avec eux arrivera dans combien de temps? Ouais, dans 3 ans, ça nous laisse le temps. Ok, gagnons 22 prestige, ça me va bien. Que nos vassaux soient forts. Alors, plus 1 de réserve militaire. Ouais, plus 2. Pégou. C'est où Pégou? C'est où ce truc? Ah oui, mince, c'est là. Ok, on arrive. Ouais, on a le mécontentement, ça nous aide pas. Hein. Populace éthiopienne, on s'en tape. Une fois que tout sera légitimé, ça sera beaucoup mieux. Et si je peux tout rajouter dans la... Non, c'est déjà tout rajouté. Ok. Voilà, parfait. On peut prendre une doctrine militaire. Ouf. Ouais, c'est pas foufou cette doctrine. On va la garder parce que là c'est plus un de morale terrestre. On va attendre. Je suis surpris qu'on n'ait pas encore la. Ah si, on l'a déjà. On l'a déjà. Il y a combien par mois? Ouais, pas mal. Vas-y, perdons de l'argent, je m'en tape. Il y a eu peuple. Commandant. Là-bas. Super, on va y arriver. Prenons la tech tout de suite. Ne perdons pas de temps. Voilà, ça déjà, ça devrait calmer les rebelles dans un premier temps. Voilà, moins 3, c'est très bien. Ouais, gagnons en corruption, je m'en fous. 3 en innovation, 2 en mercantilisme. Non, gagnons 1 en mercantilisme. Mais en parlant de mercantilisme, on peut faire morale terrestre et ça. Ici, on prend de l'attrition, donc on va peut-être se split hein, dans un premier temps. Ming, mariage, oui. On a qui d'autre en rival? Irak, mariage. Éthiopie. Marche éthiopienne, ouais. Ils ont des... Non, ils ont pas de dette. Mais juste que le Caire soit... Bah c'est bon le Caire. Et pourquoi on peut pas l'améliorer? Ah, il faut que ça soit païen. Ah, il faut ajouter la sphère levantine à notre sphère à notre culture acceptée, mais la problématique c'est que on peut pas, étant donné que ce sont des compagnies commerciales. Au niveau de ça, est-ce qu'on pourrait prendre quelque chose qui serait intéressant? Peut-être intéressant ça. Plus que ça. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en tape. Colonie pénitentiaire. Probabilité de colonisation, on s'en tape. Diplomate, contribution. Oh! Ça peut être pas mal. Des vassaux. On va tenter ça. 25% pour les marches, c'est un peu magique, hein. Voilà! Ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, ici, on a quoi? Les samouraïs réformés. Tradition annuelle. Limite des samouraïs. Il faut qu'on en fasse des samouraïs. Mercenaires épiques encore. Morale navale, on s'en tape. Discipline de fer. Attrition terrestre. Gain d'entraînement. Posture défensive. Ingénierie militaire. Coût de l'artillerie. Coût du barrage d'artillerie, moins 25%. Ça peut être utile.
Modif de ravitaillement, ouais. Combat de cavalerie. Ouais, arc. Ok, ça c'est quoi? Administration dynastique. Coup des conseillers, corruption. Coup d'influence. Non, on avait pris quoi? On avait pris coup des conseillers, corruption. Ok, on a quoi? Noblesse, coup des commandants. On s'en fout. Administration cléricale, politique administrative, tolérance envers la seule vraie foi. D'accord, et là on avait gagné un marchand en plus, hein, je crois. La production locale. Et on avait quoi d'autre? Bourgeois favorisé. C'est quoi ça, bourgeois favorisé? Efficacité commerciale plus 5. C'est pas mal quand même. Hein. Attractivité, c'est génial ça. Ouais, elles sont vraiment bien, hein, toutes celles-ci. Hein. Bon, à part celle-ci. Économie de guerre. Bon, ouais, si tu veux. Colonisateur plus 1, ouais, on s'en tape. On avait pris Machiavélis, mais je pense que celui-ci, il faut clairement le garder. Ça, celui-ci, c'était quoi? L'État, c'est moi. Ses capacités de gouvernance augmentées, mais on avait pris ça. Absolutisme, ouais, ça, on va le garder. Et on avait pris ça aussi. Meilleure efficacité administrative. Hein. Ok. Je pense qu'on est maxé hein, à ce niveau-là. Hein. On a une bonne efficacité administrative, 72%. Je pense qu'on peut faire mieux hein, quand même. Hein. Je pense qu'on peut faire mieux. Tiens, on va s'occuper de ça. Voilà, on va se split. Voilà, coucou, c'est nous. Est-ce que notre limite. Ouais, on peut faire de nouveaux états aussi en passage. Bon, vas-y, on va l'améliorer pour la Chine, ça. Ça lui donne quoi? Ouais, vas-y, on va l'améliorer comme ça, il sera content. Et puis moi aussi. Voilà. On va faire pour l'autre aussi. Voilà, comme ça, Athènes, il sera content. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on peut faire des états. Des états intéressants, ça serait bien aussi. On peut en faire qu'un seul. Bah, comme ça, c'est réglé. Puis on va prendre ça. Même si on est un peu en retard, voilà, ça nous donne une meilleure portée commerciale et de puissance commerciale. Miracle économique. Ah ouais, il faut développer le Japon comme un. Comme un. Comme un. Ouais, mais quand même, quoi. On pourrait développer le Japon. Et je crois que tout est à. Je regarde une petite province qu'on n'aurait pas pu développer de manière intelligente. Bah, je pense que c'est ça, hein, les régions là, ouais. On n'y est pas, hein. Bon, écoutez, on verra bien. On peut pas les améliorer, c'est bien le problème. On gagne combien par mois? 9. Pourquoi on perd? Ah, parce qu'on a deux politiques. Ah, il y a ça aussi qui nous coûte. Hein. Il y a quoi comme politique? Production missionnaire. Utile. Efficacité, j'en parle pas. Ça, celle-ci, on peut la virer. On peut la virer, celle-ci. Ensuite, morale, on la garde. Marchand, on garde. Aspiration à la liberté des dépendances. Je préfère en mettre une autre, hein, si je pouvais. Hein. Bon, on verra pour ça. On verra. Là, du coup, je pense qu'on va développer ça en mode pays. Voilà, on va faire des points ici. Voilà, comme ça nous fait. Indépendance de machin truc. On est dessus, rassure-moi, non? C'est où elle est, où cette indépendance? Ah mince, elle est là. Ok, on va s'en occuper. Commerce, oui, Alexandrie, machin, truc, truc. Voilà, parfait. Il y a ça aussi. Production, 32, 29, ok. Oui. Oui. Marine, je note, mais je m'en fous. Ça, limite navale, on verra plus tard. Ça, on s'en foutait, on avait dit. Impôt, peut-être, point 13. Ok. Armée, nul. On peut faire ça à la rigueur. Voilà. Baptiste, encore une fois.
Voilà, ça permet un peu de stabiliser le pays comme ça. Si on pouvait seulement avoir un mec qui nous fasse niveau 2, ça serait vraiment top, plutôt qu'un impôt. Moins 2 d'agitation dans le pays, mais il est que de niveau 2. Allez, tu me recycles tout, s'il te plaît. Puissance démissionnaire, productivité. Productivité, ça nous fait de l'argent ou pas? Ouais, ça nous ferait 50 en plus, hein. Famine, c'est pas grave. Bon, lui, il a l'inflation, mais on peut lever le P, c'est l'avantage. Donc, on va le prendre, hein, même si son bonus est dérisoire. Indépendance d'Aden. Allez, pousse à la révolte, comme ça on est tranquille. Allez, go. Marche forcée, un mec qui va vite. Comme ça, on n'en parle plus. Ça, c'est chez Ming que ça a pété. M'en fous. Et ça, on récupère ça, et comme ça, on est bon normalement. Ok, bon. Avec qui on n'est pas en trêve? Le Bengale, hein. Bahrmanie, putain, ils font chier les Mongols. Après les Mongols, c'est gérable, hein. On avait dit aussi que pour notre mission japonaise, c'était... Je sais pas si on l'a validé. Toutes les provinces de Chine, etc., etc. Elle est où? Je crois qu'on l'a plus, hein. Province de Chine, surpasser l'Occident. Je crois qu'on l'a eu. Là où qui nous demande d'avoir toutes les provinces de Chine, en fait. Hégémonie sur l'Asie. Ouais, on l'a eu. Ça, on l'a eu. Et ça, on l'a eu. Il nous manque ça et celle-ci qui nous donnerait. Ouais, ok. Bah écoutez, ouais. Là, franchement, c'est de la cosmétique, hein, ce qu'on est en train de faire. Regroupe. Ah mince. Chier. Bon, c'est pas grave. On n'a même pas pu prendre ça. Ça, c'est bien dommage. Bahrmanie, on avait dit que t'étais en train. Bon, on peut s'occuper de Bahrmanie. Hein. Il nous reste des trucs à légitimer dans ce coin-là ou pas? Marie, on s'en tape, on s'en tape bien minute. Ouais, bon, on pourrait déclarer la guerre à Bahrmanie alors. Bahrmanie est là. Marche forcée, tu vas là-bas. Et on déclare la guerre à Bahrmanie tout de suite. Pour impérialisme. Go. Regroupement de l'armée. La flotte magique, on la met là-bas. En train de perdre des bateaux. On a perdu des bateaux. Regroupement général, puissant, parfait. Go. Prenons la capitale. Ah, ok, bah allons là-bas. Bloquons l'expansion ennemie. Ah, ils sont en train de prendre le fort ici. Ouais. Ça a pris une mogole. Alors on va aller là-bas. Tiens, on va se mettre là, on va faire un bon gros blocus familial. On va surtout se dépêcher. Tiens, toi, armée. Là. D'accord. Fous-toi de ma... Pas grave. Dépêchons-nous. Forteresse de niveau 8, hein, on commence à connaître. Feu. Allez, plus un de mercantilisme, on prend également. Faut qu'on ait 100% avec le pape. Pourquoi on peut pas avoir plus? Bon, bah t'influencer le pape. Un cadeau. Voilà. Et comme ça, on a notre mission. Voilà. Ouais.
Bon, ouais, tiens, on se met tous dessus. Tu me sors un commandant qui a 4 de siège, c'est parfait. Voilà, 21%, ça devrait tomber rapidement comme ça. Go. Et ils vont prendre le truc avant, c'est pas grave. Pardon, de l'argent. Allez, dépêche-toi, tombe. Merde, c'est pas tombé. J'aimerais bien, mais on va pas le faire parce qu'on est en retard dans nos tech dip, nos tech là. Ah, parfait, ça c'est tombé. Donc vite, fonçons ici. Prenons le mec qui a. T'as 4 de siège. Bah, c'est cool alors. En plus, on fait le blocus, donc ça va être très rapide. Moins 7. Fien. Il y a un fort ici aussi, on va essayer de le prendre juste après. Il tombe, dommage, ça sera pour le prochain. Allez, accélère un tout petit peu, s'il te plaît. Prononce fort. Ah, ils vont sûrement récupérer leur. Ouais, bon, on va aller ici. Là, on dégomme la flotte ennemie, c'est parfait. Feu. Ah. La famille machin truc, puissance commerciale en Sibérie ou alors. Oh oui! Ça je prends. En plus, il est levélupable. Parfait, là financièrement, je pense qu'on va s'y retrouver. Étrangement. Voilà, on s'y retrouve. Et on va passer la tech. Parfait. Nickel. L'autre, il a terminé sa guerre et il a pris aucun territoire. Super, on va pouvoir lier notre empire quasiment. Il y aura juste le Bengale à terminer, comme ça. On va remonter dans le nord. Alors, on va tous se regrouper. Hop. Voilà, 120 000 hommes. Et on va aller comme des bourrins ici. C'est notre mec qui a 10% de combativité de l'artillerie. Oui, bah donc en fait là ça devrait être un. Enfin, stack wipe, mais bon. Voilà. On attaque dans des montagnes, mais bon. 122%, plus de morale. On a quasiment autant de canons qu'eux. Ils en ont plus, donc ils doivent avoir une. C'est un massacre. Ouais. Hop. On va pas te laisser t'en sortir, t'inquiète pas. La flotte, ici, si on peut la dégommer un petit coup. On fait juste ça. Alors déjà, on va renforcer les premières lignes. On va pondre un œuf et on va essayer d'y aller pour essayer de les choper. Je sais pas où ils vont aller. Hein. Ils vont sûrement aller là-bas. Non, ils remontent un peu plus vers le nord. Ah, ici peut-être. Là, ça c'est très bien. Hop. Dégommons les bateaux ennemis. Tu vas à côté, ça m'arrange. Ici, on peut faire feu. On va faire feu. C'est Noël là. Renforcement des premières lignes. Et go. Et on va sûrement aller dans une autre province. Bon, après là, ils ont pris des mers qu'on pourrait peut-être les dégommer au passage. Voilà, dégommons la flotte ennemie. Voilà, ils ont même pas le temps de respirer, les pauvres. Ouais, ils prennent plein de mercenaires là actuellement. Plein de compagnies de mercenaires, mais ça sera pas suffisant. Hein. Remontons dans le nord. Ça
C'est bien, on a la combativité des vaisseaux lourds juste avant la bataille. Comment te dire que ça se passe bien? Retourne ici. Toi, tu vas aller protéger le commerce à... Bah, là où ça peut être rentable en fait. Hein. Ici, voilà, et tu trouves le point en cas de pépin. Ici, toi, tu peux aller là, à la rigueur. Là, ce que j'aimerais bien faire, ce serait d'en dégommer certains. Renforcement des lignes, comme d'habitude. Processer des bouchies, moi, si tu veux. Je m'en fous. Bon, on va prendre ce dernier fort, je pense. Hein. Paysans sans hardis. Ah, ça arrive, hein. On peut peut-être continuer les conversions. Hein. Ouais. Voilà. Ça nous fera plus de prestige, plus de tout. Tiens, viens ici, toi. Concrètement, en termes de score de paix, on peut faire quoi là? Je ça, je ça, je ça, je ça, je ça, je ça, je ça. Ok, on est bon. Je ça, je ça, je ça, je ça, je ça. Voilà. Et je ça. Oh, ça passe, hein. Ça passe plutôt pas mal. En termes de nœuds commerciaux, ouais, il y en a un là, mais c'est pas vraiment vital. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est tous pour tour. C'est ce qu'on avait dit, hein. Bah écoutez, ça me paraît pas mal, hein. On fait ça comme ça, on fait pas trop de. Voilà, ta thune. Tu me fais réparation de guerre. T'abandonnes tes. Non, pas revendication, tu me fais un. Ah, ça passerait ou pas? Ouais, on va arrêter. Peut-être ça? Non, bon, tant pis. On va faire ça. Non, tu sais quoi? Peut-être pas autant de thunes, parce que la thune, on l'a. Voilà, ça c'est mieux. Fais un transfert de puissance commerciale. Ça sera encore beaucoup plus judicieux pour nous. Voilà, bon. Il ne restera plus que le Bengale, du coup. Si on veut faire les choses proprement comme ce qu'on avait demandé. Très bien. Bah, de toute façon, t'es tout seul, donc merci beaucoup, au revoir. Hop, voilà. On va tout légitimer, bien évidemment. On va tout rajouter dans les compagnies commerciales. Plus. Là, c'est bon. Et ici. Mais bon. Il nous restera le Bengale. Pas beaucoup de territoire, mais on a encore. Je crois qu'on est encore en trêve. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est récupérer. Ouais. Allié à l'Ottoman et au Bengale, Malacca. D'accord. On va attendre. Néanmoins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regrouper ici. Ouais, il y a plein de forteresses, il y a plein de trucs. Là, on va gagner une puissance impressionnante dans cette zone. On va bien sûr, ici, on a combien? Bon, vas-y, on va augmenter partout. De toute façon, on est des bourrins, on l'assume. Donc, ici. Je crois qu'on le fait partout. Parfait. Et je pense que l'Éthiopie, on va en faire une marche. Parce que pourquoi pas. Éthiopie, tu seras une marche, mon lapin. Voilà, comme ça va augmenter également notre réserve. Voilà, ça va nous augmenter. C'est très bien. Bon, là maintenant il va falloir faire un peu de dessin, comme d'habitude. Oh, je sais pas ce que je viens de faire. Voilà, toi tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Et toi, tu te renforces comme ça. Ok. Toi. Ah, t'es une compagnie de merc. Casse-toi. Toi, mince. Hop, on va recommencer. Ça correspond déjà à ce modèle-là. Ça correspond déjà. Maintenant, ça correspond. Ça doit correspondre, correspondre. Ça dégage. Ici, on va se mettre bien. Tu vas te mettre là, toi. Alors, attendez, je vais utiliser les raccourcis pour une fois. Voilà, c'est pas mal. Mince, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Augmentons notre armée de façon honteuse. Voilà. On a déjà notre hégémonie, je crois. Ah non, on l'a plus. Pourquoi?
Ah, on n'a pas assez de... Autant prendre l'hégémonie militaire, hein. Clairement. Tiens, envoyer le mec. Et on peut bien sûr créer des zones intéressantes là. Là. Mince, je vais dire. Bon, je pense que c'est que ici de toute manière. Donc, hop, on va tout construire. Voilà, c'est fait. On va tout légitimer. Encore une fois. Voilà, regroupons l'armée. On a perdu notre hégémonie. Ça, par contre, c'est dommage. Elle est vraiment si utile que ça, cette hégémonie. Aspiration à la liberté, efficacité des marins, dégâts de l'artillerie depuis la seconde ligne, plus 1%. Ouais, je pense que c'est mieux que... Parce que là, c'est quoi? Efficacité administrative, peut-être? Coût en score de guerre de la province, moins 10%. C'est pas mal. Agitation dans le pays, moins 3. C'est très bien. Attrition terrestre, c'est pas mal. Capacité de siège. Et ça, c'est efficacité administrative, ici, je crois, non? Même pas. Modificateur du coût du développement. Y a pas un truc qui ne faisait efficacité administrative, ça m'étonne. Ils ont dû le modifier peut-être. Celle-ci elle est pas mal, moins 3 c'est bien quand même. Hein. Mais ça nous fait beaucoup, on fait beaucoup plus de dégâts là. On peut pas arrêter de... Bah, de toute façon je pense pas qu'on puisse, donc... On va faire des vaisseaux lourds, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Crée-moi une vingtaine de vaisseaux lourds ici. Ici. Voilà, ça. Plus de sujet. Entraînons notre armée, créons nos troupes. Ici, il nous manque quoi? Allez, tu me fais une frontline de 40 aussi. Continuons de légitimer. Tiens, passons à 100%. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais c'est toujours ça de prix. Cannes est catholique. N'a pas... Non, je m'en tape. D'au moins 8. Ici? Extension commerciale d'au moins 8. C'est quoi que t'entends, extension commerciale? Colonie commerciale d'au moins 8. 8 provinces peut-être. Ouais, bah écoute, on verra pour ça. Pourquoi t'es en... Bon, on verra bien. Ah, parce qu'on perd des marins. On perd des marins parce que j'ai ma flotte qui est en train de... Voilà. Chantier naval de... Ouais, c'est bien. Voilà. Et là, on devrait en regagner des marins normalement. Eh ben on va créer des marins parce qu'il nous en manque. Manufacture. Marine. Merci. Pff, ouais, super. Garnison. Bâtiment officiel. Non, ça c'est nul. C'était. Ouais, super. Entre ça et rien, j'aurais préféré rien. Voilà. Ah, notre flotte est dodue quand même. Hein. Conversion terminée. On va continuer. Hop. Voilà, et voilà. 58, un petit coup de mercantilisme. On a combien en mercantilisme là actuellement? On arrive tranquillement près des 100. En tête du Brandebourg. On a des provinces assiégées. Ah, oh, ils sont saoulants. Viens par là, toi. Troubadour itinérant. Ouais, gagnons de la point administratif. Oh vache, on gagne 2K par mois, c'est pas mal. Et on peut les améliorer ou pas? Ou il faut attendre que ça soit légitimé? On peut les améliorer, donc on va le faire. Oh, y a pas de raison. Ici, celui-ci. Petit port mondial, on apprécie. 9. 14, Goa, 10, 12. Ah, c'est pas tip top. Hein. Celui-ci est pas mal. On pourrait peut-être l'améliorer. Hop.
28, 32. Petit port mondial ici aussi. 19. Je crois qu'il faut 25, donc ça sert à rien. 14, 26, 29, 30, 28, 30. Visiblement, on n'est plus bridé dans les ports commerciaux, donc autant profiter. Donc, ports mondiaux 10, 27. Voilà. Le Caire. Port mondial, déjà, c'est donc c'est pas le sujet. Ici, c'est pas à nous encore. Ça, c'est dommage. Toi, t'as un port mondial ici? 14, tu pourras pas l'améliorer, hélas. Port mondial, non. Ici, chez lui. Pff, ouais, non, j'ai pas envie de le développer en fait, je m'en tape. Ici, niveau 3. Bah, créons des ports mondiaux ici. Hein. Voilà, petit port mondial ici. Ah, on peut pas? Ah, d'accord, ok. Et ici, on peut? Non, c'est à 16, c'est nul. 13, ici. Ok. Ici. On peut pas, c'est pas aussi haut niveau qu'on voudrait. Ah, ce territoire-là aurait été intéressant à prendre. Ici, 19, c'est nul. Ici, 10, c'est nul. Pékin, 21, c'est pas assez. Ici, 45. Boum. 42. On l'a déjà, je pense. Ouais. Ici, 30. On peut pas. Ok. Bon, financièrement, je pense qu'on va être bien. On va regarder, hein. Hop, 2300. Bon, c'est pas énorme. Mais en même temps, nous, on perd des marins. Voilà. Ok, Nubie, c'est vrai. Bon, on gagne des dégâts au moins. Et on a le commerce du poiscaille. Et ça, c'est cool. Tiens, autonomie, comme ça tu me fous la paix. Donc, moi, ce que je voudrais, on avait dit que c'était 1400 ici pour toi te mettre en co-belligérant. On est encore en trêve avec le Japon. Non. Bulgarie est là. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc, si je te déclare la guerre, toi. Moi, c'était Sunda qu'il fallait mettre en co-belligérant. C'est eux, c'est Sunda. Sunda, normalement, c'est eux. Et Sunda, si je te mets en co-belligérant. Ouais, 99. Parce que le but, c'est d'attaquer les Philippines. J'ai pas envie d'attaquer les Mogols, la flemme. On va déjà terminer de légitimer. Hein. Et les Khmers? Taliaki? C'est quoi eux? Landa, machin. Ah, c'est eux. Ouais. Bon, on va déclarer la guerre au Bengale. On va juste attendre de terminer de légitimer. Hein. Séparatiste de Malacca. Très bien, on va y aller. Coucou. C'est bon, notre hégémonie, elle augmente maintenant ou pas? Cent trente-six. Et c'est pas vrai. C'est qui lequel le. C'est qui a plus de bateaux que nous? C'est les vaisseaux lourds, hein. Militaires, flotte nationale. L'Espagne. Ok. Et c'est des vaisseaux lourds, je suppose, qu'il faut avoir. Ouais, ok, il faut créer beaucoup, 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 beaucoup de vaisseaux lourds. Sauf que là, j'ai pas assez de marins. Pas assez suffisamment de marins. J'aurais peut-être demandé à la Chine, mais je crois que la Chine, elle a pas de. Elle en a pas. On va aller quand même dans nos dépendances un petit coup. Ottoman, ce que je peux faire face à toi, c'est quoi? On va corrompre tes fonctionnaires, ça me fait plaisir, c'est moi qui paye. Alors, ici, regroupement, tu vas aller faire ça. Ensuite, toi, tu vas aller là. Et là, toi, tu vas faire ça aussi. Est-ce que la limite terrestre va être atteinte? Non, ça, c'est les bateaux. On peut faire 2000 bateaux, la vache. Ok.
On a perdu un général, c'est pas grave. L'Ottoman, il a 1 million d'hommes, quoi. Je sais pas comment il fait. La grande armée, les doctrines ottomanes, tout ça, quoi. Bon, on va se préparer tranquillement. Y a pas un truc qu'on pourrait choper du Bengale? Genre ça, c'est quoi? Mais ça, il faut qu'on soit de la bonne religion. Ça, celui-ci, je crois pas qu'on puisse l'avoir. Hein. Pas de la bonne religion. Ça, c'est déjà à nous, je crois. Ouais, c'est à nous. Et ça? C'est pas la peine. Ça a été amélioré. Ça, on avait... Oh! J'aurais dû le prendre ça. Puissance des caravanes plus 20%, 40%, c'est pas mal. Hein. Canal de Suez. Ouais, le fameux canal de Suez que tu peux pas. Que tu as, mais que tu peux pas traverser. Ça, c'est un joli bug. Et ça me saoule. À moins que ça soit une décision que je n'ai pas, mais ça m'étonnerait quand même. Vas-y, on va être tolérant envers les hérésies, ça sera fait. Je comprends pas, on a le canal de Suez, mais on peut pas l'utiliser, quoi, c'est magique. Vas-y, on va faire ça. Longévité des navires. Hop. Et on va redévelopper. Redévelopper ici. Il nous faut 1000 points. On en est à combien là? Non, on n'y est pas. Hein. Conversion, go. Y a un d'autre qu'on peut convertir pour le moment? Bon, c'est. Encore un. Voilà. Politique, agitation. Bah, gagnons 2 en corruption, ça me va. Marine, oh oui. Bon, on revient de l'Ottoman, ça sert pas à grand chose. On va se mettre en déclaration de guerre, du coup. Là, je pense qu'on a bientôt terminé. Ouais, c'est bon. On est à moins 5, c'est bien. Non. Oui. Malacca, on va se préparer pour le mode sandwich. Tiens, tu vas me recruter des généraux. Voilà, comme ça c'est fait. Daiviet, eh ben on va le faire péter, pousser à la révolte. Tu vas me recruter un général. Ensuite, on a qui d'autre? Baloutch. Milice locale, faisons ça. Baloutch, problème, on n'a personne là pour les Baloutch. Donc on va s'y mettre. Les Baloutch, ils sont dans ce coin-là. Bagal est en guerre là. Donc Malaga. Gujarat viendrait. Gujarat, je te mets qui? Si on met Gujarat, c'est qui? C'est eux Gujarat. Non, c'est eux. Est-ce qu'il y a un truc intéressant à Gujarat? Ça, c'est quoi? Regarde juste, hein.
Non, on n'a pas la bonne religion. Ça, c'est quoi? Modif de réserve locale, limite d'unité spéciale. Pff, ouais, bof. Donc on s'en tape. Bah écoutez, ça sera le Bengale. Sindh. Et Sindh, je te mets en co-belligérant, t'as qui? Qui vient? T'as Delhi, je m'en tape. Les Gujarat, je te mets en co-belligérant, t'as Delhi. Je m'en fous. Je voulais juste peut-être prendre cette province-là. Bah impérialisme et puis go, hein. Bon, pas que ça à faire. Voilà, moi j'ai une grosse armée aussi, hein. Hop, regroupement. Voilà, coucou, j'arrive. Perdons de l'argent. Ah, intéressant ça. Go. Allez, dis au revoir. Les enfoirés. Bon, on va regrouper nos troupes là-bas. Waouh! Ah ouais, il y a du peuple! Ah, j'ai peut-être été un peu trop. Alors, toi, on va s'occuper de toi là. On va s'occuper de toi là. Toi, on va s'occuper de toi là. Ming va y aller, c'est très bien. Ah ouais, il y a du peuple en fait. Voilà, bon, au moins ça nous permet de prendre les territoires et d'avancer dans notre doctrine. Vas-y. Hop. Après, on a de l'argent. La limite terrestre. Non, pas encore. Après, c'est vrai que toute notre armée est là, quoi. Alors. Voilà, on prend une bonne grosse partie là. Et on va l'emmener basiquement ici. Voilà, mais on verra ça au prochain épisode, j'espère qu'il vous a plu, et je mets une pause, et je vous dis à plus les gens.